chers amis nocéens et de Seine-Saint-Denis. Depuis plusieurs jours, vous êtes nombreux à vous retrouver en famille ou entre amis pour célébrer la fin de l'année 2014. Avant toute chose, j'ai aussi une pensée pour toutes celles et ceux d'entre nous qui ont été isolés cette année et à qui j'adresse mes vœux les plus sincères pour retrouver ce lien qui unit les cœurs et les hommes. L'année 2014 a été marquée par votre volonté de donner un souffle neuf et un nouvel élan à la vie politique, locale et nationale. En mars 2014, vous avez choisi de faire confiance à de nouveaux maires de droite qui ont pour eux la volonté immodérée de réussir là où trop d'années de clientélisme avaient fini par altérer tout espoir de changement. À Neuilly-sur-Marne aussi, vous nous avez témoigné votre confiance en faisant de nous le premier groupe d'opposition au conseil municipal, bien devant le Parti Socialiste. Grâce à votre soutien, nous avons réussi à faire inscrire à l'ordre du jour nos projets tels que redonner un centre-ville à Neuilly-sur-Marne ou mettre en place une police municipale. En 2015 comme en 2014, nous continuerons à agir pour vous. Les défis sont nombreux car il nous faut notamment donner des réponses concrètes aux appels au secours des familles fragilisées, veiller à ne pas importer les guerres de religion en Seine-Saint-Denis, par ailleurs, se battre pour l'emploi, la justice à tous les niveaux et la solidarité doivent être nos maîtres mots pour 2015. Chers amis, vous aurez bientôt l'occasion de vous exprimer pour dire que vous partagez vous aussi cette volonté. Mais avant cela, je vous souhaite à chacun d'entre vous une formidable année 2015.